Je vais vous dire une horreur, mais c'est exprès. Ne lisez jamais la Bible. C'est clair ? Il ne faut, je fais exprès, hein. Il ne faut jamais lire la Bible, il faut la dire. C'est-à-dire que ça ne se lit pas comme ça, du bout des yeux, en dormant à moitié dessus. C'est sûr que vous allez dormir complètement dans pas longtemps. Il faut la dire parce qu'il faut prendre du temps. Il vaut mieux en lire peu, peu à la fois, dose homéopathique, mais bien. C'est-à-dire que vous prenez le temps. Bon, j'ai pris Jonas, j'aurais pu prendre autre chose, mais j'ai pris Jonas. Il faut que je voie mon petit prophète. Vous connaissez l'histoire de Jonas, un petit prophète tout à fait désobéissant. C'est rassurant pour nous, il fait quand même du bon boulot en définitive. Un petit prophète, bon, ben je vois Dieu appeler Jonas et lui dit, bon, alors je vois mon petit Jonas qui se lève, puis Dieu qui lui donne un ordre qui ne lui plaît pas du tout, et je vois Jonas bouder, et Dieu lui dit, tu vas là, et Jonas part là-bas, et il faut que je voie tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je ne vais peut-être pas en lire beaucoup, mais j'aurais bien lu, et j'aurais retenu. Et vous allez lire tout ce qui est dans les marges, et tout ce qui est en note en bas. Ça va vous emmener très très loin. Et vous serez entré dans la Bible sans vous en apercevoir. Je pense que c'est ça qui est important. Lisez peu à la fois, mais vraiment bien. Et voyez les choses. Quand les arbres dansent de joie, voyez des arbres qui dansent. Quand les lions rugissent, chez Amos, entendez le lion qui rugit. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut se faire une âme de poète, hein, pour lire la Bible. C'est un livre merveilleux, quand même pas très facile. C'est pour ça que je dis qu'il faut se prendre par ce qui vous intéresse. Alors bon, ben, quelqu'un a été tenté par Jonas, un autre se dit, oh là là, le thème de la colère, oh là, c'est quoi cette affaire? Alors, à la fin de toutes les Bibles un peu sérieuses, il y a un petit lexique qui vous renvoie aux textes importants et aux notes importantes. Conseil d'amis, le plus souvent, il ne faut pas trop lire tout seul. Il faut lire tout seul, mais il faut aussi lire à plusieurs, ça aide. Et puis les questions des uns, les intérêts des autres, ça aide. Alors ça, c'est aussi une très très bonne question. Hein. Pourquoi autant... Alors ça, c'est la question que mon mari me pose depuis 40 ans. Mais je n'ai pas réussi à le convaincre. Pourtant, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont un peu appris de l'hébreu, un peu ou beaucoup? À part la sœur, probablement, qui n'y a pas coupé. Il y a quelqu'un qui a fait de l'hébreu? Ah oui, il y en a plusieurs. Alors, je pense, vous interviendrez si vous n'êtes pas d'accord avec ma réponse. C'est bizarre ce que je vais vous dire. Mais l'hébreu est intraduisible en français. J'ai une bonne raison. C'est déjà pas facile de traduire des langues qui sont proches de nous. Regardez, vous avez essayé de traduire des poèmes anglais ou même des poèmes italiens ou même des poèmes... On n'a pas les mêmes manières de s'exprimer d'une langue dans l'autre. Je vous dis une phrase qui m'a beaucoup intéressée, qui est en exergue du Nouveau Testament grec-français, ce qu'on appelle un interlinéaire, c'est-à-dire... Pour les gens qui ont un peu oublié leur grec, ce qui est mon cas quand même, vous avez le texte, alors non, le grec c'est dans ce sens-là pour vous, le grec là, et puis en dessous, juste ligne à ligne, vous avez le mot à mot français. Ça aide, bon. Eh bien, à l'entrée de ce livre, il est écrit une phrase que je trouve tout à fait intéressante. Une langue est un filet, il y a une belle image, hein, un filet, alors il faut que vous voyez le filet, jeté sur la réalité des choses. C'est intéressant de voir une langue comme ça, elle prend dans son filet la réalité des choses. Elle en laisse forcément filer dans les mailles du filet. Hein. Une langue est un filet jeté sur la réalité des choses. Une autre langue est un autre filet. Il est rare que les mailles coïncident. C'est bien dit. Hein. Je ne sais pas de qui elle est, comme elle n'est pas signée, je pense qu'elle est de celui qui a écrit ce Nouveau Testament interlinéaire qui a fait... Il n'a pas écrit le Nouveau Testament, mais il a écrit, il a fait l'effort du mot à mot en dessous. C'est le pasteur Maurice Carrez, qui était prof à la Cato quand j'y étais. Donc, traduire de l'hébreu en français, c'est très difficile. Voilà déjà une des bonnes raisons pour faire des traductions différentes, vous voyez. L'hébreu est une langue avec un... D'abord, c'est un tout autre monde que le nôtre. Hein. Je pense que certaines, comment dire, certains peuples sont plus près de l'hébreu que ceux de langue maternelle française, comme moi. On est marqués, nous, par le latin et le grec. L'hébreu est une langue beaucoup plus concrète, très concrète, magnifique. C'est très intéressant comme écrit, comme écriture, mais c'est difficile à rendre. C'est vraiment difficile à rendre. Je vous donne un exemple, peut-être pas le meilleur, mais c'est celui qui me vient à l'esprit. Vous connaissez l'histoire de Saint Jérôme. Saint Jérôme est quelqu'un d'extraordinaire, ce qui est dommage.
c'est que je vais vous dire la seule petite erreur qu'il a faite dans sa vie. C'est dommage, je me rappelle ça. Mais c'est intéressant pour notre propos. Saint Jérôme, traduisant, s'est donné la peine. Il était de Jérusalem. Il est romain, hein, il est latin. Hieronymus, il s'appelle. Nous sommes en l'an 400. Il part à Bethléem et il fait l'effort d'apprendre l'hébreu soigneusement. Bon, et il traduit en entier tout l'Ancien Testament d'hébreu en latin. C'est ce qui a donné notre Vulgate, la traduction latine. Et Jérôme, à l'époque, le texte en hébreu n'avait pas de voyelle. Aujourd'hui, il y en a dans les Bibles. On en a mis pour être sûr, justement, qu'on ne se trompe pas. Mais à l'époque, il n'y en avait pas. Et il a lu que Moïse, descendant du Sinaï, après avoir rencontré Dieu pendant 40 jours, c'est sûr que ça vous transforme. Il est descendu du Sinaï, très certainement, transfiguré. Et le texte hébreu, on croit bien, veut dire qu'il est descendu rayonnant. L'ennui, c'est que c'est le même mot en hébreu qui dit des cornes ou des rayons. Et il a dit qu'il était descendu avec des cornes. Et c'est pour ça que Michel-Ange nous a fait des Moïse. C'est affligeant, c'est dommage. Ce qui est tout à fait injuste, c'est que Saint Jérôme a fait une traduction absolument admirable et que je me souviens plutôt de cette erreur, mais elle m'intéresse. Parce que vous voyez, là, bon, ben, quelqu'un d'autre aurait traduit rayonnant et lui, il a traduit avec des cornes. Donc, voilà. C'est vraiment une langue où il y a des choix à faire de traduction pour entrer dans la nôtre, et donc des traductions différentes. Si elles sont sérieuses, il y a aussi des choses pas sérieuses. Hein? Vraiment pas sérieuses. Mais chez des gens sérieux, moi souvent je compare d'une traduction à l'autre. D'autant plus qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Quand je traduis, je fais des choix. Certainement, j'ai prié l'Esprit-Saint avant. Enfin, quand même, je suis ce que je suis, et donc j'injecte dans ma traduction ma théologie. C'est évident, on voit les traductions changer au fur et à mesure que la théologie bouge, c'est bien sûr. Ça vous donne un peu d'explication, ça? Et souvent, ça m'arrive de comparer des traductions différentes, et c'est intéressant. Par exemple, je pense, tiens, je ne sais pas pourquoi, je citais à quelqu'un hier le murmure de la brise légère, dans le livre des rois. Vous voyez à quoi je fais allusion? Oui. Élie. Élie, premier livre des rois, chapitre 17, 18, 19, c'est toute la saga, on va dire, d'Élie. Et au chapitre 19, Élie, après un long chemin de conversion, de méditation, de souffrance aussi, parce qu'il se rend compte qu'il s'est trompé, pas mal, Élie marche 40 jours et 40 nuits vers le Sinaï, vers l'Horeb. 40 dans la Bible, c'est toujours un chiffre symbolique, hein, on n'a pas compté. On ne compte jamais, là. Mais c'est symbolique, ça veut dire une gestation, une maturation. Élie arrive à cette fameuse caverne dans laquelle déjà Moïse avait rencontré Dieu, enfin du moins à l'orée de laquelle Moïse avait rencontré Dieu. Et le Seigneur lui dit, Élie, tiens-toi devant la caverne, le Seigneur va passer. Bah, tiens, je vais vous le lire après tout. Donc je prends premier livre des rois, chapitre 19. Écoutez bien, je vous donnerai la référence après, là on écoute, je réponds juste à une question. Le Seigneur dit à Élie, sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car voici le Seigneur va passer. Alors il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui érodait les montagnes et fracassait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, en l'entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Il avait compris. Je prends cette expression, le bruissement d'un souffle ténu. Alors, je suis allé en regarder quelques-unes. Alors, si je traduisais l'hébreu mot à mot, hein, il y a trois mots pour dire ça en hébreu, c'est le son d'une poussière de silence. Vous allez me dire quel son fait une poussière de silence. Une poussière de silence. Comment vous traduisez ça en français? Vous n'y arrivez pas. Alors celui-là, il a traduit « bruissement d'un souffle ténu ».
Chouraki parle d'un silence subtil, ou d'un, je sais plus, un bruit subtil, bon. La Bible de Jérusalem traduit le murmure d'une brise légère, c'est ravissant, c'est trop lourd déjà. Le son d'une poussière, le silence intraduisible, vous voyez ? Alors, ben, vous pouvez avoir 10 traductions différentes. Et sur un texte qui n'est pas difficile au plan théologique, tout le monde croit comprendre ce que ça veut dire, que Élie vient de découvrir le Dieu de douceur, alors qu'il était convaincu que Dieu était un Dieu de puissance et de fracas. Bon, il fait une grande découverte, on croit tous comprendre la même chose, mais vous voyez, on va le dire de manière différente. On n'est pas malhonnête vis-à-vis du texte, on essaye d'être honnête, on fait comme on peut. Alors, une autre raison pour qu'on ait beaucoup de traductions différentes, c'est que certains textes sont très abîmés. Moi, je ne suis pas du tout calé là-dedans, hein, je ne connais rien aux manuscrits, je n'ai pas beaucoup dans ma vie approché des vrais manuscrits. Il s'est trouvé qu'un de mes auditeurs de Radio Notre-Dame, ça c'était super, a voulu me faire plaisir, et il m'a emmené à Cambridge, en Angleterre, voir les fameux manuscrits découverts en 1896, 50 ans avant Qumran. On a fait des découvertes extraordinaires. On appelle ça une guénisa du Caire, c'est-à-dire dans une synagogue. Quand on utilise une Bible à la synagogue, je m'excuse d'employer le mot « utiliser », quand on lit une Bible à la synagogue, quand elle est usée, c'est un texte sacré, on ne peut pas le mettre à la poubelle. On l'enterre ou on l'emmure. Et on l'emmure dans une cachette, donc on a retrouvé dans un emmurement des manuscrits super. Il se trouve qu'ils ont été retrouvés par des Anglaises et ils sont partis en Angleterre. Alors évidemment, Israël les réclame, mais il les récupérera un de ces jours quand les Anglais auront fini de mettre tout ça numérisé. Donc j'ai eu cette chance de voir des manuscrits de près et j'ai enfin compris. Parce que, par exemple, j'ai beaucoup travaillé le livre de Job, et dans le livre de Job, il y a très souvent, alors ça explique des traductions différentes, il y a écrit « traduction conjecturale », c'est-à-dire que ben là, on est obligé d'inventer, et on fait comment ? Parce qu'il manque un mot, carrément. Alors j'ai vu des manuscrits, effectivement, il paraît qu'à certaines époques, l'encre la plus luxueuse, la plus chère, la plus noble, il y avait du fer dedans. L'ennui, c'est que ça dépend du climat, mais le fer, ça rouille. Moins chez eux que chez moi, mais quand même, au long des siècles. Et donc, parfois, il manque des mots entiers dans une ligne, ou même une demi-ligne. Vous faites comment ? Alors, ça explique, bah, les traducteurs, ils se sont dit, alors ils ont pris quelques principes. Par exemple, il y en a un, vous voyez bien, dans les psaumes, en général, dans les psaumes, une ligne copie la précédente. Hein, alors, on appelle ça le parallélisme, ça peut être un parallélisme exactement... synonymique, mais ça peut aussi être au contraire. Comme la tendresse, je prends le psaume 102-103, comme la tendresse du Père pour ses fils, ainsi est la tendresse du Seigneur pour celui qui le craint. Vous voyez, ça c'est un parallélisme. Alors des parallélismes comme ça, vous en trouvez partout. Alors, c'est une règle dont je peux me servir, quand il faut que j'invente un mot, je me dis ça doit aller par là, mais je peux me tromper. Et un autre a fait un autre choix, vous voyez ? S'il y en a qui ont le courage de se mettre à l'étude de l'hébreu, ça vaut vraiment la peine. C'est passionnant, passionnant. On ne fera jamais des bons traducteurs et n'essayez pas, on s'en fiche, il y en a déjà tout plein, ils n'ont pas besoin de nous. Mais nous, on aura du bonheur, parce qu'on approchera du texte. Et du peuple qui l'a écrit. Oui. Quand, à la fin du 1er siècle de notre ère, après, vous savez que le temple de Jérusalem a été détruit en 70 de notre ère, 70, donc il dira après Jésus-Christ, les Juifs ont perdu gros dans cette affaire, ça a été horrible. Hein. C'est une déchirure pour le monde juif effrayante, hein, à la fin du 1er siècle. Il y a ce que j'appelle, moi, mettez des guillemets, l'hémorragie chrétienne, c'est-à-dire que certains d'entre eux, et non des moindres, quittent la communauté juive pour entrer dans cette secte des Nazoréens, comme on les appelle. Hein. À l'époque, on les appelle les Nazoréens, les disciples de ce Jésus de Nazareth que vous prétendez ressusciter. Je me mets dans l'ambiance, hein. Je fais partie. Donc ça, c'est un premier drame pour la communauté juive. Le deuxième drame, c'est cette destruction du temple de Jérusalem par les Romains. Dans cette guerre civile qui a déchiré le monde juif entre 66 et 70 et qui s'est terminé par ce cataclysme, dans cette guerre civile, il y a eu une énorme perte des côtés des juifs
et en particulier le parti des Sadducéens est mort, le parti des Esséniens est mort, tout est mort, sauf quelques pharisiens. De ces pharisiens renaîtra le judaïsme. Et ils vont se donner pour tâche de faire revivre, parce que ce peuple élu ne peut pas mourir. Ils vont se donner pour tâche de restructurer leur communauté autour de leurs écrits, de restructurer le calendrier liturgique qui était pas toujours le même partout, qui était divers. C'est comme ça qu'on explique que vous êtes bien incapable de me dire comment s'est passée la dernière semaine de Jésus. Entre le jeudi et le vendredi, ce que vous fêtez, vous, le jeudi, le vendredi et le dimanche, dans les évangiles, on ne sait pas trop, nous, où on en est, parce qu'il y avait plusieurs calendriers liturgiques contemporains. Et ils vont donc restructurer et ils vont rédiger la liste officielle, ce qu'on va appeler le canon des Écritures, c'est-à-dire ce sur quoi on appuie notre foi et notre doctrine. Et il faut certaines conditions pour qu'un livre entre dans le canon. Canon en grec, ça veut dire une règle. Et on appelle ça donc la liste canonique, la liste officielle, je l'appelle, des écrits acceptés par les Juifs pour leur Bible. Les conditions pour entrer dans le canon, évidemment, c'est qu'il faut que ce soit conforme à la foi et aux mœurs, on s'en serait douté, mais 2 écrits en hébreu et 3 sur la terre d'Israël, dans le pays des Juifs. Alors, ça va faire un certain nombre de livres. Et puis, il va y avoir... Alors ça, c'est la liste est rédigée en Palestine. Et puis, enfin, ce qu'on appelle... Je ne prends jamais de parti sur les problèmes politiques d'aujourd'hui. Moi, je suis morte en l'encens de notre ère. La suite, je ne sais rien. Mais donc, je suis là-bas... vous savez que le mot Palestine, que je viens d'employer, est complètement anachronique. Il n'existait pas à l'époque. C'est l'empereur Adrien qui va inventer ce mot 60 ans plus tard, en 135, rien pour embêter les Juifs, parce que c'est le nom des Philistins. Palestine, c'est Philistin, c'est-à-dire... Bref, donc il y a un canon, et qui va faire 66 livres. Non, pas 66, je dis n'importe quoi, 39 livres. Et j'ai mis dedans le Nouveau Testament, j'ai eu le temps, évidemment. Et il y a des gens qui, à Alexandrie, vont dire, « Non, mais attendez, ça va, et nous, on en a des livres écrits chez nous en grec, et hors de Palestine, mais qui sont vachement bien. » Et ils feront une liste plus complète. Et on va appeler ces livres les deutéros, c'est-à-dire deuxième liste, les deutéros canoniques. Alors vous avez dans toutes vos Bibles une plaque comme ça qui vous dit ce qui est canonique et ce qui ne l'est pas. Siracide, puisqu'il était perdu l'hébreu, vous comprenez qu'il n'est pas dedans, il n'est pas dans la liste érigée en Palestine, forcément, il était perdu. On savait, il existait en grec, donc il est dans la liste. Deutéro canonique. Alors aujourd'hui qu'il a été retrouvé en hébreu, on le remettrait bien dans la première liste, mais je ne me permettrai pas de juger. Je vais vous dire une chose, le seul tout petit reproche que je leur ferai, mais vous allez voir, c'est à nous que je le fais. Je pense qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui connaîtrait la Bible, Ancien et Nouveau Testament, de A à Z. Donc, c'est ça qu'on devrait être, tous. Et donc, quand on nous lirait, rêvons comme ça. Vous savez qu'il faut, réagir et réaliser une chose. Un petit enfant juif, il a appris à lire dans quoi ? Dans la Bible. Moi, j'ai appris à lire dans La Fontaine ou Ésope, ou encore pire que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça ne fait pas des croyants. Lui, ça fait un croyant. Il en est imbibé depuis le début. Et bien, un petit chrétien, il devrait apprendre à lire dans l'Ancien et le Nouveau Testament, parce qu'on ne peut pas séparer l'un de l'autre, et on ne peut pas comprendre le Nouveau sans connaître l'Ancien, mais il aurait dû apprendre à lire là-dedans. Donc, il suffirait que je lui dise l'évangile de Marc des Tentations, qui fait 3 lignes, ce qui est mon problème quand il faut en parler 7 minutes, eh bien, en entendant Marc, il entendrait tout le reste, et il entendrait aussi Jean, parce qu'il y a des échos chez Jean, très certainement, quelque part. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Alors, les pères du concile ont cru naïvement que nous connaissions tout et que par conséquent, quand on nous disait 3 phrases, ça évoquait tout le reste. Là, ils se sont à peine trompés. Mais je ne critiquerai pas les choix parce qu'au contraire, plus j'avance, ça va faire 20 ans que je fais ces émissions-là, celle-là. Je suis de plus en plus impressionné du choix des textes, au contraire. C'est magnifique. C'est magnifique et on a une école là de foi, de catéchèse, de magnifique. On est bien obligé de connaître le contexte historique, oui.
obligatoire. Ça, je crois. Si je ne veux pas faire dire n'importe quoi au texte, parce que c'est ça notre difficulté, notre souci. On voudrait bien être honnête par rapport à ce texte. Déjà, quand on lit une fable de La Fontaine, on essaye de la comprendre. Quand c'est la parole de Dieu, c'est plus grave encore. Et on voudrait bien être honnête, l'ennui, c'est que on ne sait pas comment s'y prendre. Et il me semble qu'une des premières questions à se poser, c'est que dit le texte? Qu'est-ce qu'il disait quand il a été dit à ceux-là? Je prends un exemple. Nous avons lu... pendant l'Avent, on a lu Isaïe 7, « Voici que la Vierge concevra ». Ça, c'était la traduction liturgique. L'hébreu ne disait pas ça. Dommage. L'hébreu disait « Voici que ta femme concevra, et elle mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel », ce qui veut dire « Dieu avec nous ». Très bien. Cette phrase-là, nous la lisons en disant « Ah ben oui, ça annonçait Jésus ». Soyons très francs. Pour dire ça, il faut quand même un petit peu d'audace. Parce que, mettez-vous dans la peau, cette phrase a été prononcée pour une fois, on sait dire la date, ce qui est rare, parce que le bébé en question, il est né. Et que faire un bébé, vous savez aussi bien que moi, à peu près combien de temps ça fait? C'est 9 mois, pas beaucoup plus, hein, en général. Même parfois moins. Bien. Donc, à quelques mois près, on sait dater cette phrase d'Isaïe. Isaïe s'adressait à un roi dans une angoisse folle. Dans une période très difficile, ce roi paniqué, hein, Isaïe vient le trouver. Et il lui dit, rassure-toi, parce que le roi, je ne voulais pas vous le dire, mais je vais vous le dire quand même, ce roi venait de commettre une atrocité dans sa panique, il venait de tuer, d'offrir son petit-fils, son petit garçon en sacrifice à une idole. Ce qui est strictement interdit en Israël, mais dans la panique, on fait quelquefois des bêtises. Bien. Il a sacrifié son fils. Alors si l'idole n'existe pas, ce que nous savons, il perd son temps, mais en plus, il n'y a plus d'héritier du trône. Or, nous sommes à Jérusalem, sur le trône de David, descendant de David, et c'est dans cette descendance que nous savons qu'il y aura toujours des rois sur le trône. Bah oui, mais si vous les tuez au passage, il n'y en aura pas. Et donc, que devient la promesse de Dieu d'être fidèle à la dynastie de David au long des siècles? C'est à ce moment-là que le prophète vient dire à ce petit roi de 20 ans paniqué, « Allez, Akaz, tu viens de commettre une horreur, mais Dieu, lui, virgule, lui, il est fidèle à ses promesses. Il ne te laissera pas saboter son projet de fidélité à la dynastie de David. Et déjà, le futur petit roi est déjà fait. Il va naître. » Qu'est-ce que vous croyez que ça ferait à Akaz si le prophète allait lui dire « Oui, mon petit Akaz, nous sommes donc en 735 avant Jésus-Christ. » Si Isaïe venait lui dire « Mon petit Akaz, ça je reconnais, ça va mal de chez mal, mais rassure-toi, dans 735 ans, le Messie viendra. » Bah, vous savez, ces feuilles, elles seraient au panier. Hein. On n'en a rien à faire d'un gars. Même pour ceux d'entre nous qui vivent des choses difficiles, ça ne nous fait ni chaud ni froid d'apprendre que dans 500 ou dans 700 ans, ce sera merveilleux. Vous n'avez rien à faire. Ça ne va pas vous aider à vivre ce soir et demain. Et donc, il parlait pour ses contemporains. Et un prophète, c'est ça, il faut se mettre ça dans la tête. Je ne l'ai jamais si bien compris qu'une année où on m'avait demandé d'écrire un article sur la divination en Israël. Deviner l'avenir. Et j'ai découvert que c'est strictement interdit. Or, nous sommes toujours tentés de croire qu'un prophète est un devin. Non, la divination en Israël est strictement interdite. C'est un crime. Un prophète, ce n'est pas un devin. C'est quelqu'un qui... C'est un prédicateur, je dirais. Moi, je dis, hein, j'aime bien dire ça, parce que j'adore jouer avec les mots. Un prophète ne dit pas des prédictions, il dit des prédications. C'est un prêcheur. Voilà, c'est tout. Et donc, Isaïe prêchait pour le roi Akaz, et il lui disait, Dieu, tu vois, est fidèle, virgule, lui, point. Il est fidèle, et donc un petit roi va naître. Plus tard, le petit roi est né, il s'appelle Ézéchias. Plus tard... on se dira, bon, Ézéchias, très bien, il était moins pire que son père, si j'ose dire. Enfin, c'est quand même pas la perfection. Et donc, puisque Dieu a promis que le bonheur viendrait par un roi sur le trône de Jérusalem, alors on en attend un autre. Et du coup, quand Jésus va naître, on va dire, eh ben le voilà. Mais c'est une relecture. Isaïe, bon, ben, si je connaissais pas l'histoire d'Akaz, je comprends rien au texte d'Isaïe. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Donc, à travers le texte, je vais deviner ce que l'auteur voulait dire à ses contemporains. Et après,
Et là, c'est le travail de l'homélie, normalement. Mais moi, je m'interdis de le faire à la radio. Ce n'est pas ma vocation, je crois. Je ne suis pas pasteur, moi. Je n'ai pas de charge pastorale. Je suis là, parce que ce qu'on m'a demandé, c'est défricher le texte. Donc j'essaye de dire ce que l'auteur voulait dire à ses contemporains. Le pasteur, le meneur, le berger, qui vous voudrez, le prêtre, qui vous pensez, lui aura la charge de traduire ça, une fois qu'il a compris le texte et ce que voulait dire Isaïe, traduire ça pour ses contemporains. Je prends Isaïe 5, par exemple, « Malheur ! Ceux-ci joignent chant à chant jusqu'à occuper tout le pays. » C'est-à-dire, je m'enrichis, j'étends hein, mes ramifications partout, les autres peuvent crever. Bon, ça ne doit pas être très difficile pour un prédicateur. Moi, je me contente de parler d'Isaïe en son temps. Ça ne doit pas être très difficile pour un prédicateur de dire, mes petits-enfants, ça ne vous rappelle rien, là. Certains d'entre vous doivent se sentir visés, ça, c'est son job. Moi, je m'interdis de le faire, je ne suis pas là pour ça. Mais il faut faire attention de ne pas sauter à pieds joints sur ce que le texte dit pour nous, avant d'avoir énormément travaillé, ce que peut-être je vais pouvoir comprendre de ce qu'il disait pour les contemporains. Il faut aller très lentement quand on travaille. Nous avons tout perdu, et peut-être après tout que nous avons perdu l'alliance, peut-être que Dieu nous a abandonnés, et on ne l'aurait pas volé. C'est ça qu'on se dit. Et Isaïe, inspiré par l'Esprit Saint, j'en doute pas, vient leur dire, non seulement Dieu ne vous a pas abandonné, vous êtes encore son peuple élu. Alors il va leur annoncer qu'ils rentreront au pays, c'est une évidence. Ce n'est pas une prophétie au sens de devinerie, enfin divination, c'est parce que c'est évident. Dieu ne peut pas faire autrement que de nous sauver. Il ne sait pas faire autrement, si j'ose dire. Donc c'est sûr, il nous sauvera. Et ce roi parfait que nous attendons, il viendra, c'est sûr.